La foire exposition du Haut-Ségala a, cette année encore, connu un vif succès. Placée sous le signe de la gourmandise, elle a attiré plus de 18 000 visiteurs sur le sol rieux pérousien. À l'heure où l'économie est loin d'être au beau fixe, cette manifestation redonne le sourire aux commerçants comme aux élus. J'ai coutume de dire que dans le parcours de maire, les inaugurations représentent toujours un moment privilégié. Eh bien, à ce début de mandat, je suis largement privilégié car après l'inauguration du Festival du cinéma, début septembre, vitrine reconnue de notre politique culturelle, j'ai le grand plaisir de participer à l'ouverture de la 5e foire expo du Ségala, déjà qualifiée d'événement économique, terme que je reprends bien volontiers. Cette considération est une reconnaissance pour les organisateurs auxquels j'adresse mes chaleureuses félicitations pour leur totale implication dans la genèse et la concrétisation de ce qu'il y était, de ce qui était il y a déjà 12 ans une aventure, de ce qui est aujourd'hui un projet abouti et parfaitement maîtrisé. Il me plaît ici de préciser que la Foire Expo de Rieux-Pérou est le seul événement de cette importance à n'être géré que par des bénévoles avec l'appui dans les périodes de mise en place et d'ouverture au public de nombreux intermittents. Pour la 5e fois, le comité foire a donc relevé le défi d'une organisation irréprochable, d'une convivialité qui en fait l'un de ses atouts et il se veut être le vecteur de plusieurs messages. D'une part, dans un contexte économique qui ne se départ pas de sa morosité, il indique clairement que le temps n'est pas au repli sur soi, mais à l'initiative, l'innovation, la projection vers l'avenir en s'appuyant sur le socle solide de notre patrimoine et de nos compétences. J'en profite pour remercier l'ensemble des exposants pour la confiance qu'ils ont manifestée par leur présence ici. Plus précisément, le comité organisateur nous révèle fortement le désir de nos concitoyens de continuer à vivre sur notre territoire et à y mener des actions volontaristes, structurées, mais aussi lucides et raisonnées. Pour cela, ils souhaitent seulement être entendus, considérés et suivis dans les projets qu'ils sont à même d'initier. Bon, alors pour vous, qu'est-ce que ça vous inspire, cette fameuse foire du Haut-Ségala ? Écoutez, à la fois, ça illustre assez bien ce que j'imagine devoir être la ruralité, c'est-à-dire à la fois une histoire, une belle histoire, et puis de la modernité. Donc ici, on est au cœur d'une belle ruralité, dynamique, entreprenante, qui a vraiment envie de faire la démonstration que l'avenir s'invente aussi ici. Voilà. D'abord, ça démontre le dynamisme de nos territoires ruraux particulièrement, parce que cette foire, c'est une vitrine de l'ensemble des savoir-faire aveyronnais dans différents domaines, qu'il s'agisse de l'artisanat, de l'agriculture, de l'agroalimentaire, une très belle vitrine. Et cette foire expo, c'est le reflet de la dynamique de nos territoires ruraux. Bien. Mais écoutez, vendredi soir, la veille d'un week-end, avec un soleil comme ça, que beaucoup nous envient, y compris ceux qui sont venus passer quelques jours en Aveyron et qui sont repartis, qui reviendraient bien certainement avec plaisir pour avoir ce soleil. Et écoutez, cette foire fait du bien. Ce que nous avons visité, monsieur le président du comité d'organisation, c'est vraiment, je dirais, somptueux. Et je voudrais, à mon tour, cher monsieur Bou, vous féliciter et féliciter avec vous l'ensemble des membres de votre association et également aussi l'ensemble des bénévoles qui, depuis des mois et des mois, ont réfléchi à l'organisation de cette belle manifestation, de cette foire exposition de Rieux-Pérou. Et à ces remerciements et ces félicitations, je voudrais y associer bien sûr la mairie de Rieux-Pérou, cher monsieur le maire, cher Michel, parce que je le dis régulièrement, dans la vie, on ne réussit jamais tout seul. Jamais tout seul. Et c'est certainement ce partenariat entre la mairie de Rieux-Pérou et l'association qui porte cette manifestation que vous arrivez à mobiliser autant de places, d'espaces, autant de terrains, autant d'exposants, un peu plus de 200. Un hectare 7 d'exposition. Et je crois qu'aujourd'hui, l'ensemble de l'équipe municipale, avec certainement toutes les équipes techniques, ont été mobilisées et vous ont apporté l'appui logistique qui paraissait nécessaire. La foire a fait la part belle aux locaux avec la présence notamment de la SA4R.
Et la SAC à faire, elle représente la production de veau d'Aveyron et du Ségala, qui était une production phare du Ségala. Donc elle est là pour incarner un peu son partenariat qu'elle a créé avec les magasins Auchan dans toute la France depuis aujourd'hui 18 ans. Avec 12 000 euros labellisés par an, avec 18 000 animaux commercialisés à travers sa structure. Une structure qui ne comporte aucun salarié, c'est en autogestion à travers les éleveurs qui sont adhérents. Alors nous venons régulièrement tous les 3 ans à la foire à Rue Pérou. Pourquoi ? Parce que c'est une foire très intéressante. Et puis on rencontre beaucoup de monde qui ne connaissent pas notre élevage, donc ça nous permet de nous faire connaître, puisque nous sommes situés quand même aux portes de Conques, dans l'Aveyron, et les gens, encore tout le monde ne nous connaît pas, donc c'est un motif pour découvrir notre ferme. C'est l'occasion aussi de partir à la rencontre des nouveaux installés. C'est vrai que c'est plutôt des rencontres en fait qui nous intéressent, et la recherche de, après de mandat, etc. Et c'est aussi l'amour des pierres, des maisons. Ouais, et puis c'est vrai qu'on a rencontré aussi quelques artisans, bon, un menuisier d'ailleurs, avec qui on va sûrement travailler en collaboration, puisqu'effectivement il a la même passion que nous. La réputation de la foire va au-delà des frontières avéronaises. Bon, moi je viens de Pézenas et je suis dans le textile. Bon, alors pourquoi vous avez décidé de participer à la foire Expo de Rio Pérou? Ouh là là, grosse histoire. J'avais rencontré une personne qui est déjà exposante sur la foire de Rio Pérou. Et je l'ai rencontré à Rodez et il m'a incité à venir et je suis venue pour exposer mes produits. Afin de satisfaire ses visiteurs, une animation culinaire a été proposée sur les 3 jours avec des chefs de renom. Alors dites-moi, comment vous avez trouvé cette expérience ? Ben écoutez, je suis ravie d'être venue à Rio Pérou. Je trouve que c'est intéressant, à côté d'une foire expo, de pouvoir faire autre chose. C'est un côté rigolo, on va dire un petit peu. Bon, c'est vrai qu'on ne travaille pas dans les mêmes conditions à la maison, mais bon, c'est adapté en essayant d'apporter des éléments déjà un peu réalisés. Je crois que dans mon cas, ça a été plus d'expliquer ma démarche, comment j'arrivais à la cuisine, comment je composais les recettes, que donner peut-être tout à fait la recette. Comme je l'ai expliqué, pour moi, une recette, c'est plus un état d'esprit, une façon de voir en fonction de ce qu'on a sous la main, de là où l'on se situe. C'est ce que j'ai essayé de démontrer. J'espère que les gens l'ont bien compris. Voilà, j'ai essayé d'expliquer aussi notre façon de voir la cuisine au restaurant. Mais voilà, je crois que c'est une belle animation pour la Foire Expo et que c'est à renouveler. C'est très bon. Super. Très bon. Très équilibré. Très bon. La Foire Exposition a donc élaboré une recette fraîche et originale qui plaît à toutes et à tous. Des bénévoles souriants et impliqués, des commerçants bien installés et des élus qui saluent la démarche. Ainsi va la foire à Rio Pérou, avec succès et réfléchissant d'ores et déjà à satisfaire les fidèles visiteurs lors de la prochaine édition.